Malgré une 7ème victoire en Europa League la saison dernière, le FC Séville est actuellement en grande difficulté en championnat. Les Andalous ont pourtant un bel effectif sur le papier qui intègre de bons potentiels et d'anciens champions, comme par exemple Sergio Ramos. Aujourd'hui, on va donc tenter de sauver le FC Séville en mode carrière. Le club espagnol n'a gagné qu'un seul titre dans son histoire malgré un beau palmarès grâce à l'Europe. On essaiera donc de concurrencer les 3 cadors de ce championnat. Pour ce faire, il faudra effectuer un beau mercato, sachant qu'on a 46 millions à niveau budget. Avec un effectif beaucoup trop large, j'ai commencé par vendre Yann Uzay, Mir et Joan Jordan. Grâce à ces ventes, j'ai pu investir sur John Moncayola pour 22 millions à Osasuna, un milieu technique qui sera bien titulaire dans notre équipe. Ensuite, j'ai recruté le gardien brésilien Andrew pour 14 millions au Portugal. Il s'agit ici de préparer l'après de Mitrovic avec ce bon potentiel. D'ailleurs, je l'ai prêté pour 1 an dans la foulée. Même chose pour Nianzou puisqu'on a trop de défenseurs dans cette équipe. Cette saison, on a commencé par une affiche de prestige face à City, un match de Super Coupe d'Europe qui s'avère très compliqué. Comme attendu, City a eu plein d'occasions en première période, mais ce tir est repoussé par Mitrovic. Notre équipe subit beaucoup trop face aux Anglais. Grealish fait la différence sur son côté. Matheus Nunes marque ensuite le premier but dans cette partie. On est mené 1-0 face à City. On se montrera plus solide en seconde période, mais on n'aura pas d'occasion. Le club anglais s'impose bien 1-0 sans grande surprise. La marche était un peu trop haute pour les Andalous. Pourtant, Séville a fait une belle saison en championnat. On termine 4e dans ce classement, une grosse performance. En coupe, c'est la Sociedad qui nous a sorti 1-0 lors des 16e. En Ligue des Champions, Séville termine 2e dans ce groupe B. Malheureusement, après avoir fait un but partout sur le match aller, on s'incline 3-2 face à l'Inter lors des 8e. Vous découvrez donc l'équipe type à la fin de cette première saison. Comme attendu, les joueurs les plus vieux ont bien régressé, mais cette équipe reste tout de même très compétitive. Cette saison n'aura pas été si bonne sans l'apport d'Ednesiri qui a inscrit 28 buts en 48 matchs. Aucun poste n'est pas mal non plus avec 15 buts marqués en tant qu'ailier. Cela n'empêchera pas Griezmann d'être le meilleur buteur dans ce championnat, mais quelle performance pour le Marocain dans une saison finalement très encourageante pour notre équipe. On enchaîne sur une deuxième saison avec Séville. J'ai commencé par dégraisser au mercato, des profils trop vieux qui ne seront pas très utiles dans cet effectif. Après ça, j'ai recruté Willy Orban à Leipzig pour 25 millions, un joueur d'expérience et qui pourra laisser la place à Loïc Badé sur le moyen terme. Ensuite, j'ai échangé Luke Bakio avec Zegrova plus 10 millions d'euros, un joueur qui va porter un peu de folie sur mon côté droit. Et pour terminer, même si j'ai récupéré Montiel revenu de prêt, j'ai pris Victor Gomez à Braga pour 15 millions d'euros, un bon concurrent pour ce poste-là. Vous découvrez donc l'équipe type pour cette deuxième saison, une équipe bien renforcée avec de belles progressions, même si Suso a beaucoup joué, puisque Zegrova a subi une grosse blessure au mois de novembre. En championnat, Séville termine 6e dans ce classement. On a fait trop de matchs nuls, hein, c'est vraiment dommage. En Coupe d'Espagne, cette fois, c'est l'Atlético qui nous a battu à 3-2. En Ligue des Champions, on a fini 3e dans un groupe assez compliqué hein, sur le papier. On est donc reversé en Europa League où on a battu la Roma puis Monaco en demi-finale. Ça nous offre une finale face à cette équipe du PSG. Ils se sont bien renforcés, hein, notamment avec de gros latéraux. Une finale compliquée pour le FC Séville qui se jouera à Anfield pour l'occasion. Les Andalous vont se montrer plutôt bons en début de match, mais Paris défend très bien pour le moment. Le PSG a aussi quelques incursions, mais sans plus de succès face à Séville. Pourtant, le club espagnol a quelques failles dans sa défense. Marcao s'est complètement raté sur Dembélé. L'ancien Rennais passe trop facilement et marque le premier but pour le PSG. Séville devra vite réagir dans cette finale. En seconde période, le club espagnol va bien réagir sur cette action. Ennesiri est complètement seul face au gardien, mais la frappe touche le poteau malheureusement. Le FC Séville garde espoir face à Paris. Il y a quelques espaces pour les tromper. Oliver Torres lance Djibril Sow en profondeur. Le Suisse choisit de frapper face au gardien. Un excellent choix puisque Séville égalise dans cette finale. Un super retour pour les Espagnols. Paris va tenter de nouvelles actions, mais cette fois Marcao reste très lucide dans sa défense. Pas d'autre but dans cette partie. On ira donc en prolongation dans cette finale. Paris va se montrer plus incisif 5 minutes plus tard. Bruno Fernandes tente sa chance sur son pied gauche, mais c'est bien repoussé par mon gardien. Séville va réagir sur ce corner, c'est très bien frappé, mais la tête n'est pas assez puissante, toujours un partout à la mi-temps. Rien de plus en deuxième période, cette finale se jouera donc au tir au but face au PSG. Cette séance va bien commencer pour les deux équipes avec la transformation de Gonzalo Montiel pour les Andalous. Ensuite, c'est au tour de Kylian Mbappé de s'élancer. Ce n'est pas trop mal tiré, mais Andrew fait une magnifique parade sur le Parisien. Malheureusement, Donnarumma réalisera le même exploit 2 tirs plus tard. C'est très très serré pour le moment, mais Vitinha verra son tir arrêté par notre gardien. Une magnifique parade qui permettra à Séville de prendre l'avantage grâce aux Marocains. Kolo Muani ne va pas trembler sur son pénalty. On arrive donc à une balle de match pour notre équipe.
Suzu s'élance et tire en plein milieu sur ce tir au but. Ça fait 4-3 dans cette séance. Quel exploit pour le FC Séville qui bat le PSG dans cette finale. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait malgré une saison compliquée en championnat. Il s'agit donc du 8e trophée en Europa League. Quel palmarès européen pour cette équipe. Mais maintenant, il nous faudra plus de trophées sur le plan national. Quoi qu'il en soit, En-Nesyri est encore très efficace. 24 buts en 54 matchs pour le Marocain. Un joueur très important comme Ocampos qui a toujours ses stats. Pas de meilleur buteur, mais on a quand même 3 joueurs dans l'équipe type de la Liga. Ce sont les éléments les plus importants de mon effectif. A noter que Badé a bien progressé du côté du Borussia Dortmund. Moins de chance pour Nianzou, il faudra le prêter dès l'année prochaine pour le relancer. Et justement, on se retrouve pour la 3e saison avec Séville. Celle-ci commence par la vente d'Oscar à Nice pour 13 millions d'euros. Ce n'est pas le seul départ, puisque j'ai acheté Illich pour 20 millions d'euros plus un échange avec Dibrilso. Un milieu technique et avec une grosse frappe de balle. Une grosse recrue, mais on va faire encore plus fort avec le recrutement de Palinha pour 28 millions plus un échange avec Torres. Un profil très défensif pour passer sur un milieu plus resserré dans cette compo. Après ça, j'ai un peu dégraissé, mais ça m'a rapporté pas mal d'argent grâce à Montiel. Et pour finir, j'ai pris Sadik à la Sociedad pour 13 millions d'euros. Il s'agit d'avoir un vrai remplaçant à la pointe de l'attaque. En tout cas, on a une très belle équipe avec le passage en 4-3 resserré comme annoncé. A noter qu'Ocampos a une petite blessure sur la fin de saison. Le banc a bien apporté avec quelques recrues, mais aussi de belles progressions. Cette saison a encore commencé par la Super Coupe de l'UEFA face à City. Cette fois, Séville a pris l'avantage dès la 8e minute sur penalty. En-Nesyri marque déjà dans cette saison. City aura bien des occasions en première période, mais Andrew sort la parade sur cette action. Au final, Séville aura de belles contre-attaques en seconde période. Zegrova prend la profondeur à 20 minutes du terme. L'ancien Lillois frappe pied gauche face au gardien. Il touche le poteau, mais c'est bien rentré. Séville mène 2-0 face à City. Les Anglais ne reviendront plus face au club espagnol. Séville crée la surprise en s'imposant 2-0 face à un Cador. Le capitaine soulève un nouveau trophée pour un club qui a fait un départ canon dans cette 3e saison. En championnat, on termine 2e avec 76 points. Alors certes, on est loin du Real, mais c'est une très belle place pour notre équipe. En Coupe d'Espagne, après avoir sorti la Sociedad en demi-finale, on affrontera cette équipe de l'Atlético pour la finale. L'entame sera plutôt pour les Colchoneros, mais ce sont les Sévillans qui sont les plus tranchants en première période. Palinha sert Zegrova dans la surface. Le Kosovar inscrit le premier but dans cette finale, ça fait 1-0 pour notre équipe. Séville va doubler la mise sur penalty en seconde période. Sadik inscrit un but très important à l'heure de jeu. C'est le match parfait pour Séville qui s'imposera bien 2-0 dans cette rencontre. Une victoire maîtrisée et un deuxième trophée sur cette saison. C'est d'ailleurs la 6e coupe pour ce club espagnol qu'il avait remporté en 2010 pour la dernière fois. En Ligue des Champions, c'était encore un groupe assez ouvert, mais on s'est bien qualifié pour la phase finale. Encore une fois, on a battu City lors des 8e, un véritable exploit, mais c'est l'Inter qui nous a sorti 4-3 sur le tour d'après. Niveau stats, En-Nesyri est encore très régulier avec 24 buts en 52 matchs, secondé par Ocampos encore une fois. A noter la performance d'Andrew qui termine meilleur gardien dans ce championnat. On termine par une 4e saison pour les Sévillans. Pour commencer, j'ai recruté Miguel Gutiérrez à Nice pour 28 millions plus un échange avec Pedroza. Une grosse recrue pour mon côté gauche, surtout qu'il a encore du potentiel. Ensuite, j'ai dégraissé, ce qui m'a quand même rapporté plus de 36 millions sur ce mercato. Cela m'a permis de recruter Alan Velasco à Leeds pour 36 millions. Un transfert record pour les Andalous, devant notamment celui de Jules Koundé pour 35 millions. Et pour terminer, un recrutement beaucoup moins coûteux avec l'arrivée de Limina pour 11 millions d'euros. Il nous fallait plus de profondeur à ce poste-là. Voici donc l'équipe type pour cette 4e saison. Une compo plus homogène avec très très peu de défauts hein, sur le papier. Le milieu est vraiment solide avec une attaque portée par En-Nesyri encore très importante sur cette année. Au classement, cela se traduit par un premier titre pour les Sévillans. On termine premier devant le Real, c'était vraiment serré. Ça commence bien, sachant qu'on a gagné la Super Coupe 1-0 contre l'Atlético. Moins de succès en Coupe d'Espagne, on était sorti par Grenade 3-2 en quart de finale. En LDC, Séville a fait un très grand parcours. Après avoir vaincu l'Inter, la Juve et le Borussia Dortmund, c'est City que l'on affronte, une équipe qui a bien recruté tout en gardant ses meilleurs joueurs pour son attaque. Cette finale se jouera au Wembley Stadium, un petit avantage quand même pour les Anglais, on s'en battra jusqu'au bout pour la remporter. En tout cas, c'est City qui va lancer la première action avec une belle passe signée à Land, mais ce tir est bien contré par Loïc Badé. City aura quelques occasions en début de match, mais Séville tient bon pour le moment. Le gardien, puis la défense, se montre plutôt solide, même si c'est pas l'idéal d'autant subir.
À force, City va se montrer beaucoup plus dangereux un peu plus tard. La défense espagnole se montre trop laxiste sur cette action. La passe est excellente pour Haaland. Le Norvégien ouvre le score pour les Citizens. Un but mérité quand même pour le club anglais. Ce but aura au moins l'avantage de réveiller Séville dans cette finale. Moncayola lance Ilic après un joli 1-2. Le Serbe se montre très efficace sur cette action. Séville égalise avec son tout premier tir dans cette partie. En seconde période, ça va beaucoup mieux pour les Sévillans. Moncayola lance En-Nesyri dans la surface. Le Marocain est complètement seul, mais sa frappe passe juste à côté, malheureusement. Quel dommage pour notre équipe, alors que c'est Kovacic qui va rentrer. Un peu plus tard, Haaland va faire une grosse différence sur cette action. Le Norvégien se montre plutôt rapide, mais Andrew va très bien sortir. Le buteur a un peu tergiversé dans la surface. Quoi qu'il en soit, Séville subit beaucoup plus dans cette fin de match. Marcao semble en difficulté dans cette finale. Le ballon est bien ressorti par les Anglais. Grealish se retrouve complètement seul face à Andrew. L'Anglais marque le deuxième but pour les Citizens. Une erreur qui a de grandes conséquences pour notre équipe, tandis que l'Anglais venait de remplacer Haaland il y a quelques minutes. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin dans cette partie. Séville s'incline 2-1 face à City. Une victoire méritée pour un club qui nous a fait beaucoup de mal dans ces temps forts. Niveau stats, et comme je l'annonçais, En-Nesyri est à 34 buts en 56 matchs. Une grosse saison pour le Marocain. Ocampos a beaucoup moins joué, mais il est encore présent. C'est un vrai guerrier hein, dans cet effectif. Ilic a été un excellent passeur, mais il est devancé par deux joueurs dans ce classement. Même chose pour le Marocain derrière Lukaku, qui est désormais au Real Madrid. En tout cas, ce fut une très belle carrière avec Séville. Au total, 5 trophées pour une équipe très séduisante, sans oublier la belle épopée en LDC. On a clairement sauvé le FC Séville dans cette carrière. Merci à tous de m'avoir suivi, merci pour votre soutien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro, portez-vous bien, ciao !